coup, Julia va nous rejoindre parce que, en jetant un œil, en surveillant la toile, vous êtes tombé sur une petite pépite. C'est le tout dernier clip de Justin Timberlake. Oui, une petite pépite. Regardez, hein, c'est le dernier clip, vous le disiez, de Justin Timberlake. Ouais. Il est réalisé par la Blogothèque. Alors, c'est pour ça qu'on en parle. La Blogothèque, c'est un petit groupe de Français, figurez-vous. Un petit groupe de blogueurs passionnés de musique qui a commencé à faire du clip musical. Puis d'un seul coup, ils ont été extrêmement plébiscités, relayés. Ce clip, c'est un peu comme une consécration pour eux, parce qu'évidemment, la chanson est dingue. Justin Timberlake, eh ben, ça veut dire être absolument visible partout. Et pourquoi on les choisit eux? Parce qu'ils ont une vraie patte. Leur marque de fabrique, c'est le vrai live déjà, ce qui est très très rare dans un clip. Ah, donc ils chantent en vrai live, sans retouche, sans artifice, et surtout un plan séquence très long de 6 minutes. Ils passent d'un étage à l'autre, d'un ascenseur à l'autre. Mais j'ai pas vu ça depuis Mademoiselle de Rochefort. Ah, mais c'est magnifique. Le morceau est déjà assez chouette. Là, honnêtement, on n'a plus qu'à danser. Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup.